Anne, qui habite à Venise, en Québec. Ça m'a toujours intriguée, ce nom de ville-là. Venise, en Québec. Hein? On les voit. Tu vois, là, Venise, en Québec, on ne sait pas trop c'est quoi qui se passe. Nicole de Batiscan. Batiscan, ça me fait penser au Vatican. Où le pape et tout, là. Nicole. Donc, ces deux évaluations-là, si elles sont sans équivoque, ben, nous donnera l'idée que bon, la personne elle est devenue inapte et à partir de là, la personne devient comme une roche. Moi, j'aime beaucoup cette image parce qu'une roche, ça ne respire pas, ça ne fait plus rien. Ben, c'est sûr que la personne n'a pas respiré, on s'entend, mais on comprend que une roche, ça n'agit pas vraiment beaucoup. Puis du lac Poulain, je te dis que, mon Dieu, je suis rendue que je te tutoie. On dirait que ça me parle. Olivier, j'ai déjà un signe que tu dois être plus jeune que moi. Non, pas que je suis vieille, je ne viendrai jamais vieille de toute façon. Âgée, oui, mais pas vieille. Richard de Saint-Basile. Mon conjoint et moi ne sommes pas mariés. Nous avons fait notarier. Moi, j'aime ça quand le monde dit faire notarier. Parce que notarier, ça ne peut pas être le verbe, mais on est bon au Québec pour verbier. Je viens d'en inventer un. Alors, de faire des verbes avec des mots. Hein? C'est ça. Je suis le seul héritier de ma famille. Qu'est-ce que je raconte? Je dis n'importe quoi. Première question. Est-ce que je suis tenue de publier un avis de désignation de liquidateur, un avis de clôture d'inventaire et un avis de clôture du compte de liquidateur ou RDPRM? Vous, là, vous avez lu le petit livre qui donne au salon funéraire. Ça, là, j'en suis persuadée. Je vous dirais que non. Premièrement, arrêtez de lire ça, vous allez vous rendre fou. Parce que ce livre-là, il est trop complet. Écoutez, ça prévoit tout. Puis il y en a qui prennent ça pour du cash, puis buy the book, il faut faire ça à tout prix. Non.